Bonjour, bonsoir, joyeux Noël, bonne année na binu nyoso bozuli boko kolanda biso. Merci de nous faire confiance. Boko ta bo s'abonner belé, boko ta toza en direct sur RDC Mon Télévision pour tout bête na binu masolo. Surtout politique ambo na biso ndenge ye penda lengi ki toko pe sukali. Et je sais nga to partager tout bête en le soir na binu. Yakato solo la yakato débattre. Quelles sont les réactions des camps, des uns, des autres? Ma réaction, il y a un leader politique après publication déjà OIC Salami. Qu'est-ce qui se passe? Banani Balobinini, Tozobi Telabino Masolo, 4-4 Namiso Amokolo Malelo. Est-ce qu'il faut diviser Congo après élection? Tozo, Mekako changer Nabino, Tozo Mekako Solola, Tozo Lukako, Tozo l'analyse. Pourquoi il faut diviser Congo? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le sort réservé à Denis Kadima après organisation de l'élection? Nini faut que ça na Denis Kadima. Kangaye, ko papaye, ko panzaye, to sa nini. Tozo beta masolo, ensemble anabino, mokolo malelo, ba politicien belé ba réagir, ba kanyon so eza vraiment en ébullition, eza na ba oyo, ba eza na ba position na bango déjà ba si ba preparaki, eza pe na ba oyo ba zagi sans position, mais ba bani ko so position vis-à-vis na ba contestation ba mousousou, eza pe na ba oyo ba za calme, ba zo serein, ba zo zera réellement, résultat avec toute sérénité, parce que ba ye ba ki bo, ba monek déjà, Angle ni nous a dit que comme ma bango na ba publication autre a dit comme on a déjà binono ce bolandi qui no lobby mokolo mo Noël te moni déjà que le président en place a déjà na plus de 78% de voix sur l'ensemble de ba voix au basi ba compiler plus de 3 millions de voix basi ba compiler déjà et que hier a déjà na plus de 2 500 son challenger naé a donc le plus direct le plus connu parce que ma challenger basa kebele mais le challenger le plus en vue au biso sotoyebi eza Moïse Katumbi azana jusque là aux alentours de 16% de voix. Est-ce que remontada est possible tous me analyser ensemble nabino parce que tout le monde ba point de vue des uns et des autres te me kota la 6 vraiment remontada est possible mais vu nombre ba électeurs vu boyna boye to kota la soki remontada wana e ko sala mandenge nini par quel mécanisme quels sont les coins au ki ko sala que vraiment, ma cambo échanger topé si c'est Baluka 9. Toujours mes kako solo nabino na kati na émission. Ya Mokolo Malelo. Tozali bongo mardi 26 décembre 2023. Et tika le kaka 5 jours pour Mobu ici la Pesanza ici la topé sa 2023. Bah, et puis toujours va résultat définitif. Ya élection présidentielle. Oh, outil kole kanambo kanabiso. Bino no solo kola bomesano. Boyebi déjà, bosse ki komona, bosse ki comprendre. Nenge zali koleka. Ma ponami leki na nenge longobanite. Parce qu'il faut dire que. Il y a même des gens qui sont en train de voter. Pour quelle raison? Denis Kadima, qu'est-ce qu'il veut au juste avec tous ces gens qui ont voté? Pour quelle raison? Il faut pas continuer. Pourquoi ne pas seulement passer outre? Si la raison est que sinon, il va violer la loi et empêcher les Congolais de voter. Voilà pourquoi il faut l'exercer la même toute une semaine. Ça n'a jamais existé. Partout dans le monde, tous les premiers pays, l'élection n'a qu'à Moka Moko et Sali pendant 6 jours. Il faut continuer à voter. Il faut voter. Peut-être qu'il va voter. Donc, mon n'engue ma ramozali collègue a vraiment avec Kadima et ça va innovation sur innovation. Il faut dire que c'est un expert électoral. Baïbi Sakibiso d'une expertise naïe na momé sanonaïe à Pessibiso ma camomousso son dégna notre monate. Donc, tu réalises aujourd'hui qu'avec Denis Kadima on peut voter même tout un mois avec Denis Kadima pendant qu'on publie les résultats. On est en train de voter. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est son bâtage. Lui, les Aliko Bébé, c'est même tout ce qu'il a fait comme travail. Les Aliko Bébé, c'est même crédibilité. Il y a un résultat où il a publié. Parce qu'il ne faudrait pas dire que Batmazo continue à voter pour une raison ou une autre. Qu'est-ce qui avait empêché Denis Kadima de reporter les élections? Tout le monde a dit qu'il avait tout le temps. Aujourd'hui, Martin Fayulu dit que ce qui Kadima Linga qui a organisé l'élection crédible et transparente, il fallait à décaler date de 7 ou bien 10 jours pour organiser l'élection malam. En réalité, on comprend que tout le monde est à la pré-pour l'élection car la semaine haute. Donc, semaine on est toi qui voter normalement. Et les gars, ça, parce que tout le monde allait comprendre que vu ceci, vu cela, pourquoi toutes ces difficultés techniques et poussé Kadima à reporter, pourquoi il s'était entêté, est-ce que c'est parce qu'il voyait que malgré des ordres, on a profité d'un kamoususu ou qu'est-ce qu'il voulait faire, quoi, que Aza expert même dans le désordre. Non, ça, ce n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Kadina Labongo Lobby,
que c'était un désordre très bien organisé. Et quand il m'a répond, quand il a dit non, 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 ce qui est un désordre organisé, ils ont un cas de politiciens, ils ont religieux, vous comprenez? Et comme ping-pong, et comme bêta, ils alors, je à Bongo, et même si il y a élection. Pourquoi? Parce que maintenant, quelqu'un peut gagner, logiquement, sur le terrain, on peut gagner, mais puisque procédure est qui m'a monté, tout le monde va se cacher derrière le Kouana. Ceux qui contestent les élections, ils ne contestent pas parce qu'ils ont raison, mais ils contestent seulement parce que Bazou Madouzo au côté là. L'une des issues qui permettre à Bongo de contester l'élection, c'est la prolongation de Bazou à l'élection. Donc ça, c'est vraiment écœurant. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi Bissot Bakongolo Tolinga Kosa m'a mal à monter? Attends, mais on peut se faire une forme de mon que nous avons compris que nous sommes à réalisé que nous sommes à la décortiqué que nous sommes. C'est ça. Donc, Bissot Bakongolo, tout ça, parce qu'aujourd'hui, pendant que M. Ricard Dimas a organisé ma lecture, j'ai publié ma résultat. Maintenant, les gens lui demandent, ils ont publié le résultat sur base de quoi? Vous voyez? Il fallait me saluer sur ceci là. Donc, c'est la vie sur la compilation, maintenant, c'est la vie sur la compilation. Tout ça, c'est ça, manque d'expertise pour Nangaï. Ce n'est pas l'expert qu'on nous avait présenté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, pour dire que les Congolais, vous voyez, les Arabes n'ont tout. Hein? Pas pour tous les Congolais. Il y a la plupart des Congolais qui se vendent. Ngaï, ngaï, bongaï, bongaï, n'a moutou kaka. Sur le terrain. Et comme Matembe, et comme Ndunda. Et l'ongoué, ngaï, ngaï. Donc, ce n'est pas bon. Tout le monde a dit que ça, selon les normes, il sera bien. Alors, malgré tout cela, ben, l'élection est quand même, les gens ont voté. Bah tu vas voter, bah résultat tu zoomes là, n'est pas monsieur Bazo Beta, bah monsieur Bazo Bazo Lela, bah monsieur Bazo Bazo pas position. Quelles sont les positions des uns et des autres? Bah maintenant solo y a FCC, bah au bazar il n'a qu'à être dans le processus, mais bah on peut balobi Bazo réagir. Nana mais tout n'est pas maintenant, mais finalement on est dans quel pays là? Qu'est-ce que le FCC aujourd'hui peut donner comme morale là-bas? Dites-moi quelles sont les meilleures élections que le FCC pendant son règne a organisées? 2011. Kao, na président yemo kwa rekonde kita election zaka malamute. Na président au azaka yelu yemo kwa rekonde zaka malamute. 2018, FCC et ben le peuple soit divisé à cause de l'élection 2018. C'est encore le FCC. Donc FCC ko ko bisa bisu te ka organiser élection à bien. Non. FCC ko bisa bisu te ke yende a yebi. Non. S'il y a des gens qui ont violé des lois dans ce pays, c'est le FCC. C'est le FCC. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit c'est à télé, mais bah, Nicolas, non, bah, l'élection est à mal à monter, bah, annuler l'élection. Maintenant, quand on va annuler, bah, ça n'est pas. Tout le monde a un FCC. Qu'est-ce que le FCC a comme militant dans Mbogoyo? FCC. Ferdinand Kamber et Topé Kabila, il y a un ordre de Banane Baya. On a vu le FCC, il y a un ordre de Baya. Il y a la Mouka pour passer la bloc ceux qui unissent, ceux qui bloquent dans la Kawana. Tant qu'on fait la monnaie qui va dire, mais les colonnes, pour pas avoir moi et l'un politique à se rétracter à l'ongoué de Marambango, et va continuer à passer. Le FCC n'a aucun militant au côté de la Maponaïe parce qu'ils n'ont même pas l'argent donné aux gens. Parce que le monde, parce que pour tout faire, il faut mobiliser qui? Combien de cadres restent-ils dans le peuple d'aujourd'hui? Et Bazo Pesénin, on nous a dit ici, on ne peut pas nous intimider, mais intimider Bango. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Alors, ce n'est pas en réagissant sur les médias, les statistiques, que non, FCC. Non, le FCC n'existe que des noms. C'est une coquille totalement vide. Mon tout n'a qu'à t'y aller. Donc, ils ont l'église, ils ont un pasteur, ils ont un temple à Batonga, mais Bandimba n'a pas. Bandimba est belé, Bandimba n'a pas. Bandimba n'a église. Non. C'est ça le FCC aujourd'hui. Le FCC aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Alors, si ce quelques personnes, Batelemi, Francis Mouyou, Batelemi, Ferdinand Kamé, Batelemi, Batingan, Batelemi, Betty Massolo, Balobi, Bichot, Osenga, annuler l'élection. Maintenant, quand on va annuler, autosala une transition sans Tshisekedi, comment c'est faisable? Parce que dans 2016, quand on disait une transition sans Kabila, c'était non faisable.
on a appelé le article 70 de la Constitution. C'est encore le FCC qui avait introduit une lettre dans la Cour constitutionnelle pendant qu'on s'est interprété l'article 70. Et bah interpréta. Mais c'est la même interprétation que la jurisprudence actuellement. S'il faut passer à une transition, on l'a fait toujours avec celui qui est en place. Donc, mon tako mkoumi sana bouzo ba na yete. C'est ça le FCC. Alors, ne ba libya ba zaki na kati na compétition, ba bandi moutou na moutou ni koloba. J'ai même vu des gens qui ne représentaient absolument rien, qui remettent en cause les résultats. Mais s'il vous plaît, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Quand même, un peu de respect pour le peuple congolais. Est-ce que tout le monde ici, le peuple congolais, est bien? Il y a des gens aujourd'hui sur le terrain, les représentants de l'autre côté, moi, dans la campagne, mais ils se disent aujourd'hui qu'ils vont encore gagner l'élection. Mais non, s'il vous plaît. Ils sont sérieux. On a gagné en ligne. Et d'ailleurs, on ne peut pas gagner les élections seulement dans un coin. Bon, on va gagner Mboka. Pourquoi toutes ces velléités mensongères, on n'est même pas proche du vrai. Non. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le camp Katumbi veut la balkanisation du pays. Quand on a toujours dit que le camp Katumbi, c'est le camp du M23. Parce que même, j'ai suivi les sons du M23. On parle de ma chaîne Nabango sur la toile, et c'est Kiv News. Et ça, ma chaîne Oyo, et celle est la M23 Moussala. La même chaîne dit ce qui va proclamer autre résultat que celui à Tchilom, Tchilom président. En tout cas, ils ne vont pas laisser comme ça, ils vont pas avoir décision, pas avoir position à Bango, parce que le véritable élu est Moïse Katumbi. Ça, c'est Kiv News ce matin. Kiv News, j'ai dit bien, c'est une chaîne créée par le M23, utilisée par les membres du M23. Si on veut vérifier, on vérifie. Alors, c'est la même tendance aujourd'hui que Katumbi nous affiche. Quand on disait tout ça, que Katumbi était soutenu par le M23, non, les gens ne voulaient pas nous croire. Mais là, les preuves sont là. Les preuves sont là. Et c'est encore Katumbi qui voulait vraiment que Mboke Kabona. Quand on disait qu'il travaillait pour les étrangers, les gens ne comprenaient pas. Travailler pour les étrangers dans Mboke, vouloir la balkanisation du pays. Parce que souci à la communauté internationale, ils ont divisé la RDC. Le pays est trop grand. C'est la communauté internationale qui a divisé le Soudan. Soudan et Kabona. Bakabola et Éthiopie. Comprenez? Maintenant, on veut diviser la RDC. En divisant la RDC, la personne la mieux placée aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Avec son camp. Vous avez suivi mon nom Simba. Babi Bazo est la mode. Quel est le mode qui sera donné? Peuple a tellement à revendiquer victoire. Quel peuple a tellement à revendiquer victoire? Et quand nous regardons sur la toile, Bato Bazali qu'on commentait réellement. Dans le même sens, Bato Bazali revendiquer victoire, ils sont tous même. Il y a un pensée encore. En insultant les autres que c'était. Là, on nous disait que Yende Moutouaza, rassembleur, hasard, et pourtant, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas ça. La tendance, elle est connue. Non, s'il vous plaît, Moïse Katumbi ne pouvait pas gagner les élections seulement dans l'espace Katanga, même pas dans tous les Katanga aussi. Il ne pouvait pas gagner seulement avec ça. Ce n'est pas seulement avec ça. L'espace Katanga, à lui seul, je dis bien, à lui seul, ne représente que 11 et 12% de l'électorat. À lui seul. Même si on a gagné, nous sommes sur tous les 12%. On a gagné l'élection. Non. Non. Donc, quelque part, soyez quand même un peu réaliste, un peu tolérant. Pourquoi cette tendance à diviser le pays seulement pour un individu? Aujourd'hui, on comprend qu'un seul individu est vraiment l'objet de la Congolais Bakabona. Pour un seul individu. Parce qu'il faut dire, le problème, c'est parce que Katumbi n'a pas été élu président. Mais on va essayer un peu d'étudier ensemble. Katumbi va gagner les élections comment? Na beta bino le seul place au de ce monde. Na beta il explique ndenge na ndenge. Je vous avais dit, si Katumbi devait gagner les élections, mais il ne devait pas les gagner na manière wana au bambazo kanisela wana. Non, na manière wana te. Si Katumbi devait gagner les élections, il devait avoir autour de lui une équipe de campagne bien organisée et bien structurée. Déjà sur le plan structurel, déjà na côté wana bako ki na bango le côté. Bako ki te. Dites-moi comment on peut organiser la campagne de Moïse Katumbi. La seule personne que j'ai vu battre la campagne seule, sans Moïse Katumbi, pour Moïse Katumbi, c'est Mando Ntimba. Christian Mando. Pas Mando Ntimba, plutôt Christian Mando. C'est Christian Mando le seul qui a pu réunir les gens, parler de Moïse Katumbi. On a vu les images. Dites-moi Kinshasa, qui est-ce qui a battu la campagne pour Moïse Katumbi?
Même les soi-disant députés Moïse Katumbi na Kinshasa, bah là qui peut visible. Pendant que Frank Diongo s'est réveillé à Moïse Katumbi, pour nous c'était marcher avec Moïse Katumbi, quand on a budget privé à Moïse Katumbi, circuler avec Moïse Katumbi, peut-être coller dans l'hôtel à Moïse Katumbi, c'était tout. Or, c'est pas ça la campagne. Mais par contre, de l'autre côté, Tomoni, organisation, là-bas, on est Zalaki. Dites-moi, dans quelle province, oh, Moïse Katumbi va battre la campagne, battre la campagne pour Moïse Katumbi, Bazate. Ah, ce n'est pas une mobilisation à quelques individus, où il y a, même il y a quelques milliers de personnes, on est quelque part, on connaît ce qu'il y a, on est faire gagner une élection. Non, ce n'est pas ça. La campagne, c'est fait de fond en comble. De fond, qu'il y ait des moussika, qu'il y ait des moussindo, ou même appendant, discours non moulaï, pour que les gens barallient. Discours, il y a l'idée, Batam Bouchango. À Kinshasa, on n'a vu aucun leader, il y a ensemble, combattre la campagne pour Moïse Katumbi. On ne les a pas vus. Mais on les voit souvent sur la toile. On les voit souvent sur la toile. Tout le monde a bango qu'on commenté sur X. On les voit. Bazo commenté, bazo publié, poster. Mais après, c'est tout le monde, écoutez-moi en silence. Ce qui est Mikolo. Même les gens, c'est caché, ce qui est Mikolo. On les voyait plus, on les sentait plus. On les entendait plus. Sur la toile, ils avaient disparu. Mikolo Basekou. Et ensemble a dit qu'ils ont gagné les élections, le peuple doit s'élever. Quel peuple doit s'élever? Pour quelles raisons? On doit mettre le pied à sang. J'ai lu un post des membres d'ensemble qui dit comme tu sais que des sans-têtes à Kouzoa ou à Lingui. S'il faut que le sang soit versé dans Moko, il faut y se parler. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Moko Yubatoba Supamakila pour Namoutou. Et appliquer l'article 64, voilà, on en parle un peu aussi. Article 64 a dit le peuple doit empêcher Batounios ou Gnimas de pouvoir par la violence. On a parti A. Tope Bao Badali Koulou Kakoukoukoukou pour pouvoir en violation des lois. On a parti B. Tobani a parti A. Si le peuple doit s'élever maintenant là pour empêcher Batou, maintenant qui est-ce qui veut prendre le pouvoir par la violence? N'est-ce pas l'opposition? En activant l'article 64, n'est-ce pas l'opposition veut prendre le pouvoir par cette méthode-là? N'est-ce pas que l'opposition veut prendre le pouvoir par la force aujourd'hui là? Mais on nous parle du. On nous parle de quoi finalement? Je ne comprends rien. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Non, nous sommes dans un pays quand même structuré. Les lois concernent tout le monde. Donc, avant il y a eu Mme Nzela pour qu'il y ait une application de 64. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux renverser le pouvoir? Vous voulez chasser Tshisekedi du pouvoir? Oui. Mais c'est aussi vouloir prendre la force, le pouvoir par la force. Ça aussi interdit par l'article 64. Donc aujourd'hui, la seule voie où on a besoin de prendre le pouvoir, c'est les élections. Quelle que soit la manière, ce sont les élections. Et ils ont la cour constitutionnelle pour contester. Ils ont la cour constitutionnelle pour contester. Amenez vos PV à la cour constitutionnelle. J'aimais, parce que maintenant la CENI nous a dévoilé ce que les gens ne savaient pas. La CENI a dit ceci: Bato va voter plusieurs fois, et zo ekofunda, bako rejeter ba voter qui? Parce que la machine elle-même, ezo détecté le kouana. C'est pour cette raison-là que Banrola ba ota les 10 doigts. Donc on pourra identifier, déjà par la machine, on peut identifier qui est-ce qui ont voté 10 fois, qui ont voté 5 fois. Et on va, ça sera mis à découvert. Là, l'opposition ne veut pas entendre tout ça. La CENI a même dit que les machines ont un GPS. Machine ou anando, on est en train de se faire un peu de temps. Tant que vous avez affiché, vous avez affiché, na place, na localisation. Non, géolocalisation, vous avez une machine. Donc, s'il y a des gens qui ont pris la machine, qui ont voté de Banda ou Nabango, c'est facile à être repéré. L'opposition ne veut pas entendre tout ça. Bon, ils ont tout le temps, ils ont tout le droit de pouvoir protester, manifester, mais nous allons attendre, voir ce qu'ils vont donner. De l'autre côté, Martin Fayulu, avec son groupe aussi, il faut dire que Martin Fayulu n'est pas du camp ensemble. Martin Fayulu ne veut pas, n'a pas dit que c'est lui le gagnant. Le gars juste là n'a pas dit clairement que c'est lui le gagnant, mais quand même il dit que l'élection est Isaki Malamouté. C'est comme ça qu'il mobilise déjà la population na Kinshasa, lobby mercredi, héroïne. Mais la marche, va réclamer. Je ne sais réclamer. Annulation, il y a élection. Donc, on ne nous a pas dit que Bazo annulé, Bazo réclamer vérité des urnes. Pour une fois, les gens de Martin Fayulu ne vont pas marcher pour la vérité des urnes. Ils vont plutôt marcher seulement pour
a réclamé l'annulation des élections, dénoncé les fraudes. Ah, de ce côté-là, ils ont changé de point de vue. N'habitez pourquoi? Est-ce que Martin Fayulu est conscient que à coquiter qu'au joie qu'on gagne sous élection, est-ce qu'il est réellement conscient que Yemoko a gagné? C'est comme ça qu'il s'est dit, moi, tu as créé une autre façon de faire. Mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble après les élections? Non. Voilà ce qui n'a pas pu marcher. Voilà. C'est notre pays. Nous n'avons que ça. On ne va pas mettre le pays à feu, à sang, parce qu'on veut que Tshisekedi soit au pouvoir, ou bien parce qu'on veut que Kabila et Katumbi soient au pouvoir. Non, on ne peut pas mettre le pays à feu pour ça. Mboko et Salami, Kabila et Tshisekedi, et Katumbi, peut-être ils vont passer. Ils vont passer. Et puis surtout, mais pourquoi on devrait seulement se figer sur ces personnes? Et aujourd'hui, il y a une haine qui est en train de monter dans l'espace Katanga contre les originaires du Kasaï. Et je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Donc, dans les jours qui viennent, je crois que Ekozala est vraiment trop sensible, la situation est vraiment très tendue. Vous pensez, Wana, les uns contre les autres sont de se préparer. Tu même ma vidéo où les gens sont de se préparer sur le plan mystique. Dans un mis renforcé sur le plan mystique, Kakapo va se pouvoir. Et on ne peut pas conquérir le pouvoir de cette manière-là. Le peuple a décidé, le peuple peut décider, le peuple, il faut remuer vers le peuple. Si on dit que le peuple a voté Kio et que vous avez des PV, parce qu'ensemble a dit qu'il a gagné les élections et qu'il a des PV, mais c'est mieux de le brandir. Parce que ce qui complique maintenant ensemble, c'est quoi? Ensemble devait attendre les résultats de la Senko. C'est ça. Senko n'est pas à la canal pour nous repasser par résultat. Peut-être que Senko a talé, c'est que non. On n'a pas tous les résultats. Pas jusque-là, je n'ai pas entendu les partis politiques Senko, na ECC, Kopé, ça va. Bon, ça va résoudre dans la banque. Ils n'ont pas encore dit ça. Donc, c'est le seul parti Oyo. Alors, on a PV Nyonso. Ceux qui basent dans Nyonso, encore là aussi, il faudrait vérifier ceux qui basent dans réellement Nyonso. Alors, Bangonde, au moins, Bangonde, au Sunga, ensemble. Peut-être qu'ensemble, a senti que Batouana, ils ne vont plus lui apporter les secours que lui attendait d'eux. Papa. J'ai aimé une collègue journaliste. Mais quand je l'ai suivi hier, quand il commentait les résultats, c'est une dame, elle dit qu'elle ne croit pas au miracle. Avec ce qu'on a déjà vu comme résultat, elle ne croit pas au miracle. Elle ne voit pas comment remontada est possible. C'est pour dire qu'elle a sali calcul avec tout ce qu'on a déjà eu comme résultat. Remonter, combattre, renverser tendance, est impossible, cette dame-là. Et pourtant, on la connaissait très virulente, on la connaissait trop pincante. Donc, tant qu'on a quelque part, ça dit, en tout cas, ça c'est Kachobe qui parle. Mais là, cette fois-ci, elle a dit qu'un miracle n'est pas possible pour Kachobe. Voilà pourquoi peut-être Kachobe a dit non. On prend les gens de cour, on attend le mot d'ordre. Quand est-ce qu'on va donner le mot d'ordre? Ah, je me souviens qu'en 2011, feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme. A émis sa bise, paix sa mort d'ordre. Mais après, voilà la pongue à ma bébé. Banana batou, voilà la pongue à ma bébé. Kino balamouka, balamouka pété, yé petit nan yakoufa, alter l'homme sa batouté. Donc, éviter ceux qui, mot d'ordre ya kachoboué, et gozalate. Bakosala, on te va osalate. Quel sera le mot d'ordre de sa population? Abima, awapi, asalanini, akenuko atakenin, akenuko pienin. Ça, je crois que ce serait une faute lourde. Il faut dire qu'aux États-Unis, Donald Trump, aujourd'hui, à subir les conséquences à ma ramona. Et ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas parce que aux leaders politiques, ce que peut Simon d'ordre de et créer ce mouvement, créer des autres. Bako Kangayo, papa, aux arrêtables. Maintenant, on va chuter. Qu'est-ce qu'on peut faire des dédicaments? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Yende Moulukimakam. Les voix se sont levées. Quand il y a ensemble, on a dit on doit arrêter Kadima. On doit l'arrêter. Bon, bah, arrêter pour détournement de fonds, 1,3 milliard pour nous connaître l'élection, à détourner en celle-ci l'élection. Allez, quand même, madame. Pour ce côté-là, il faut l'arrêter. Je suis d'accord, on doit arrêter Kadima. On doit arrêter Kadima, pas seulement pour ça, on doit arrêter Kadima pour la mauvaise organisation des élections. Si on te conseille la code pénale. Ce que je peux s'enlever quand on monte pour organiser l'élection, malamouté. Est-ce qu'il faut pas canailler? Est-ce qu'il y a des contraintes? Alors, quand on a une loi électorale, Montignon soit à salir que l'élection est malamouté, à ça poursuivable. Il faut pas arrêter. Mais est-ce que ça suffisant? Et qui est-ce qui va demander la restitution à Kadima? Imaginez-vous, si réellement on dit que Kadima a fraudé pour le régime en place, maintenant le régime a gagné l'élection, à Kadima? Je crois pas.
Merci beaucoup d'avoir l'annonce sur RDC Mon Télévision. Ça a été un plaisir pour nous de partager avec nous plateau Mokolo Malelo. On est là ensemble avec vous. On va décortiquer, on va analyser l'actualité politique, surtout depuis les années qu'il y a la publication des résultats partiels des années qu'il y a. Nous sommes là pour pouvoir vous servir. Merci à Maman Pauline Lumumba. Merci à toute l'équipe de RDC Mon Télévision. Merci à Francis. Merci à Juvenal. Et Nganabino, c'est pour très bientôt sur RDC Mon. Au revoir.